Bonjour, bonjour, docteur Claudio Saracino, de l'hypnose DCS, méthode DCS, l'hypnose DCS. Vrai professionnel par le vœu majuscule. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais répondre à une personne, à une dame, au fait, de Genève, en Suisse, qui me pose cette question. Cher docteur, j'ai perdu des cheveux sur ma tête. Mon médecin m'a dit que j'ai de l'alopécie. Et j'ai tourné un peu tous les spécialistes de la santé, mais mes cheveux ne poussent plus dans cet endroit à côté de la tête. Et peut-être à cause du stress. Au fait, moi, je lui ai répondu, je réponds même à toi que tu es en train de m'écouter, que l'alopécie, au fait, au niveau psychosomatique, ça provient, c'est causé par des émotions négatives. Donc, arrête-toi un petit moment, fais 3 respirations profondes, lentes, ferme tes yeux et à la 3e inspiration et pense, réfléchis quand il s'est passé l'alopécie, quand tu as vu la chute de tes cheveux dans la douche, dans ton brosse, sur ta brosse, etc. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta vie? Du point de vue émotionnel, une forte dispute, une forte rage, une forte peur, une forte haine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et alors, quand tu vas comprendre la cause, tu as déjà pour la moitié, trouver ta solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par l'hypnose DCS, vrai professionnel par le vœu majuscule. Mais attention, tu dois toujours aller chez ton médecin. Quand tu as fait, on t'a dit ta diagnostic, alors tu peux peut-être, si tu as envie, décharger un audio MP3 DCS très puissant, très naturel, sans aucun effet secondaire du titre, pas de l'alopécie. Ok, que tu vas trouver sur le site de l'association hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills à laquelle j'ai cédé tous mes droits. Et tu vas t'étonner. Tu vas suivre, s'il te plaît, les instructions très faciles à la preuve d'un grand-père, à la preuve d'un idiot, à la preuve d'un flemmard. Et tu vas t'étonner du pouvoir de ton subconscient qui va réaliser le miracle de ton esprit, guidé par des mots, par ma voix, par des suggestions DCS, des mots DCS uniques au monde, qui font bouger ton subconscient et éliminer toutes les images, les émotions qui t'ont causé ton alopécie. Et tu vas voir le cheveu pousser, les autres cheveux être plus beaux, plus forts, etc. D'accord? Ça marche. Donc, mon cher ami, ma chérie, le subconscient, le 88% de ton esprit contrôle tout de ton corps, de ton esprit, de ta vie visible et invisible. Il contrôle, ton subconscient contrôle tes cheveux, tes ongles, ta peau, tes organes, tes glandes, ta conduite, tes pensées, ton imagination, tes actions, ton subconscient, ton pilote automatique, ton génie de la lampe d'Aladdin contrôle même ta vie visible et invisible. Par mes expériences directes et indirectes, par l'hypnose DCS, vrai professionnel, par le V majuscule, unique au monde, tu peux vraiment réaliser les miracles de ton esprit et faire repousser les cheveux où il manque, sans si et sans mais. Tu dois imaginer que moi, personnellement, j'ai des centaines de personnes, femmes et hommes, qui avaient ce problème à cause du stress, d'accord? Un peu tout, certains seulement dans un point spécifique, mais le résultat c'est le même, le processus c'est le même. C'est ton subconscient qui va te guérir, qui va réaliser ton miracle de ton esprit. Parce que mes paroles, mes mots, ma voix servent seulement de guide, de te guider, de guider ton pilote automatique à réaliser le miracle de ton esprit, sans cesse. Mais nous, on est corps, esprit, corps et âme. On n'est pas des machines. Le cheveu ne se commande pas tout seul. Notre cœur ne se commande pas tout seul, d'accord?
s'il y a quelqu'un dedans nous qui le commande, c'est le subconscient, ta force intérieure, appelle-la comme tu veux, ton imagination. Si toi tu vas dire, ah, je veux que mes cheveux poussent, mais moi je veux être chevelu, avoir de beaux cheveux, blablabla, mais ton imagination, ton subconscient pense le contraire, tu ne vas pas y réussir. Il faut convaincre ton esprit, il faut y aller dedans. Et en plus, il n'y a pas d'effet secondaire, parce que l'hypnose DCS, c'est vrai, professionnel, par le vœu majuscule, n'a pas de péril, danger, même pas le 0,0001% ou pour 1000. Pourquoi? Parce que la méthode DCS n'a rien à voir par les autres formes d'hypnose. Et en plus, les suggestions DCS sont créées d'une façon telle que on évite toute forme d'effet secondaire. Et en plus, réfléchis un moment. Ton subconscient guidé dans, par des mots super positifs et centrés, créés par un AOC, ne peut pas te faire de danger. Sinon, tu allais vivre au dessert tout seul si c'était le contraire, d'accord? Donc ça marche, ça marche, ça marche. Et hélas, aujourd'hui, plus que dans le passé, à cause de la télé, de la télévision, télé, bien entendu, les réseaux sociaux, la presse, la radio, un peu tout le mass media, la communication, etc., etc. Dans cette période actuelle, hélas, et le bombardement qu'il y a dans la tête des enfants adultes et vieux, c'est incroyable. Jamais l'humanité a subi si autant bombardement médiatique d'informations comme dans cette période actuelle. C'est pour ça que les maladies ont augmenté. C'est pour ça que la dépression a augmenté, la panique a augmenté à cause de la télé-Covid, télé-peur, télé-haine. Tu comprends que où je veux aboutir, arriver? Avant, et donc cette émotion négative qui dépend comme la personne va la recevoir, hein, va toucher la partie de ton corps la plus faible dans ce moment-là. À quelqu'un va toucher le cheveu, à quelqu'un d'autre les yeux, à d'autres les nerfs, à d'autres encore les jambes, à d'autres encore les muscles, fibromyalgie, arthrite comme les os, etc., etc. Donc ça dépend, d'accord? Mais c'est pas à toi la faute, c'est la faute à la télévision qui nous instille, nous sommes dans notre esprit, des désirs, des besoins, des exigences, de rêves qui n'existent pas dans la réalité, ou même on peut dire qu'on ne peut pas satisfaire, réaliser. Et c'est le fait que toi tu ne peux satisfaire, qu'on te stresse, ça va te stresser, te rager, te rendre vraiment apathique, déprimé, parce que tu vas dire, ah, je suis destiné à cette vie de merde. Je suis destiné à mourir pauvre et fou. C'est ça, mon chéri, ma chérie. Hélas, que les pouvoirs forts n'ont pas de l'intérêt de dire que c'est la télé, la faute de toutes les maladies, de toute la malchance, de toute la merde, ou la merde, ce qu'on dit en Espagne, qu'il y a autour de nous. Avant, quand j'étais un étudiant sans un livre dans la poche à côté de Milan, Modena, j'étais comme ça, le plus pessimiste, le plus déprimé, le plus stressé. Et aujourd'hui, je suis une autre personne, grâce à Dieu, grâce à mon esprit, grâce à l'hypnose DCS, vrai professionnel par le V majuscule, et je suis bien pour les prochaines 37 vies. Je ne dis pas pour me vanter, mais pour t'inspirer, d'accord? Pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratuitement. Tu peux visiter mon site internet www.hypnologiassociative.com, ma fanpage sur Facebook, Hypnosie, Auto-Hypnosie, Dr. Claudio Saracino. Abonne-toi, s'il te plaît, sur cette chaîne YouTube, Hypnose DCS, Méthode DCS, Dr. Claudio Saracino, et partage mes contenus de valeur comme inspiration avec ta copine, ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça va être la clé de leur changement. Et suis-moi aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Hypnose DCS, Méthode DCS, Dr. Claudio Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote, du Dr. Claudio Saracino, et à la prochaine. À la tienne, ciao.